studio de prise de vue où on a l'habitude de faire donc de la prise de vue. Pour cela, on dispose de différents matériels comme différents flashs, multi-blitz, Godox. On a des boîtes à lumière, des modeleurs, des tables de prise de vue, des fonds de différentes couleurs pour les différentes prises de vue. On a aussi des bols, des snoots, des nids d'abeilles, très utiles. Ici, nous avons donc tout ce qui est trépied et support de flash. Et tout ce qui est ici, ce sont différentes boîtes à lumière. Bonjour à tous. Alors moi je vais vous présenter le labo photo. Le labo photo c'est vraiment l'endroit où on apprend à développer nos pellicules et à les tirer sur papier. Donc pour ça on a accès à pas mal de matériel comme ces agrandisseurs, comme du papier photosensible et les bacs avec les produits chimiques, que ce soit le révélateur, le bain d'arrêt ou le fixateur. L'avantage avec ce BTS photo, c'est son nombre d'élèves restreint à 15 élèves, qui permet un apprentissage plus ciblé et plus personnalisé. C'est évidemment mieux qu'une classe à 30 élèves. Ça permet aussi une très bonne ambiance dans la classe, une très bonne cohésion de groupe, et mais pas seulement dans la promo de première année, mais aussi entre les premières et les deuxièmes années du BTS. Il faut savoir que la formation est composée de matières phototechniques, comme de la prise de vue en studio, en extérieur ou même du labo photo. Elle est aussi composée de matières plus générales, comme de la physique, de la chimie, de la technologie, mais aussi des matières plus littéraires, comme de l'anglais, de la culture générale ou de la culture photo. Il faut savoir qu'il y a une très grande diversité entre les élèves dans cette formation et que tout le monde a sa place ici. Alors n'hésitez pas à tenter votre chance dans cette formation. Tout le monde est le bienvenu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à venir sur le site de l'établissement, à le consulter, à contacter l'établissement si besoin, voire à nous contacter, nous les élèves, à ce compte Instagram-là. À très bientôt dans la formation.